vraiment nourri désir pour connaître, éviter ça, on va tout connaître. Et lorsque tout connaître, on va partager ça avec l'autre. Pas oublier de dire ça. Intention hein, avant tout. Intention première là, c'est est-ce que nous sommes capables de prendre date ça? Est-ce que nous sommes capables de prendre date ça juste pour nous prendre plaisir, boire, manger, etc. Pour une petite chose. Est-ce que c'est une date que nous avons considérée? Ok, d'après. Pour moi, moi dis-vous la vie.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
satisfait. Tendresse ou bien m'enveloppe moi. Merci de votre fidélité, merci beaucoup. Et malgré bien de petits problèmes et tout petit, nous quand même été fidèles en bas live là. Nous contents pour ça et nous bénissons bon Dieu pour ça. D'accord? Ok. Et on commence. Nous va pas prendre un peu de temps. Et pour question, et le Jésus fait, s'il vous plaît, tout le monde là, mais et attention nous. Et nous-mêmes qui attendons enseignement ça après-midi. Pour question, le Jésus fait, ou pas besoin dans la Bible, ou pas besoin dans la Bible, un texte qui dit. Côté que vous allez dans la Bible et puis il dit Jésus fait 24 décembre. C'est-à-dire, ou pas besoin de ça. Ou pas besoin de ça. Mais, gagner. Des choses que nous allons démontrer, il y a des choses que nous allons démontrer, ou même qu'à suivre avec un peu d'attention, qu'à attendre enseignement ça, pour pouvoir découvrir ça, ou même de par vous-même, découvrir ça. C'est très important. Tenez ça bien. C'est important. Junior capable. Tenez ça bien. M'a commencé dans. Alors, il y a un monde qui a annoncé ça hier. Qui dit c'est histoire qui va le faire. C'est pas une question d'histoire. Mes amis, c'est pas une question d'histoire. C'est la Bible nous va le faire. C'est la Bible nous va le faire, nous va parler de sa Bible a dit. D'accord? Mais, ma parle d'une histoire biblique avec. Le peuple Israël, là, dans le moment que le peuple ça était dans la désobéissance, bon Dieu, il était voué des prophètes. Il était voué des prophètes pour te annoncer au peuple là que. Il y a voué en captivité. Il y a voué en captivité. Et c'est comme ça pas prendre du temps pour le peuple ça, d'aller aller en captivité. Je ne vais pas faire un pile état là sur la question de la captivité, mais je vais juste montrer que la captivité est divisée en trois parties. À noter, la captivité et du peuple Israël est divisée en trois parties. Une première partie, c'est classe bourgeoise Israël là qui était allé en captivité. Bon, m'expliquer ça. Par exemple, captivité ça, Nebuchadnezzar il vini et puis il prend une élite, les élites israélites, les élites d'Israël, il prend yo aller en captivité avec élite là. OK? Et par exemple, au capable venir dans élite là, on venir les princes d'Israël, par exemple, tes une équipe prince. Bon Dieu t'a demandé ça pour établir okay, sous chaque tête, chaque tribu des princes. Prince yo t'a allé en captivité. Après ça, captivité ça a été faite lui-même en 607. A souligner, captivité ça a été passée en 607. Nebuchadnezzar est venu, ok, il prend classe élite israélite là, l'aller avec une captivité. À noter, deuxième captivité a li passé en 589. En 589, côté que Nebuchadnezzar retourné encore, li prend et les prophètes, li prend les prophètes, l'aller avec eux en captivité. Ou équipe prophète avec conseiller de l'autre monde. Parmi lesquels, te gen Daniel, te gen Jérémie, et te gen un paquet l'autre prophète colis dans la Bible. D'accord? Et puis, troisième captivité, elle même, c'est classe masse là. Yo prend toute masse là et aller avec yo en captivité. Dernière captivité ça était passé en 586. Ma propre pour vous, t'es une captivité a été divisée en trois parties. La première partie, c'est classe élite là.
qui allait en captivité en 607. Deuxième captivité à ses classes et monsieur prophète yo qui allait en captivité en 589 et puis troisième tranche là c'est en 586. En 586 toute masse peuple là y allait avec yo en captivité à Babylone. OK, y allait avec yo en captivité à Babylone. Il y a un bail qui passait, attendez bien, un bail qui passait en exil pendant que peuple sa en captivité. Attendez bien. Pendant que Néhémie était les chansons. Néhémie était les chansons du roi. Les chansons c'est moun qui était qu'on a servi roi et du vin tous les matins, tous les soirs. Et puis roi dit Néhémie, même moi j'ai un mauvais visage. Je ne parle même visage, ça qui passe ou qui sont gagnés. Et puis, Néhémie dit, ouais, comment t'as appelé pour que je me content lorsque je m'apprends tout le bagage qui a passé dans le pays, dans ma terre natale, et tout problème qui a passé, tout ça qui a privé. Comment t'as appelé pour que je me content? Il dit premièrement, il dit, mur, et Jérusalem crasé. C'est bête qui a entré dans toute zone yo. OK, les dit temple écrasé, tout bagaille fini, peuple Israël là et ou bien Jérusalem qui était un pays de gloire, un pays côté que bon Dieu t'a fait résider sa gloire, qu'on y a et vide ça, pays ça, les vins la risée de tout le monde. Et c'est comme ça wa, les dit ben, qui ça me fait dans cas ça? Et Néhémie dit, si vous permettez moi, au moins, et permettez que moi gagne des hommes avec moi pour retourner, pour aller reconstruire le temple. Pour aller reconstruire le temple, pour aller rebâtir les murailles. Attendez bien, oui, ça m'a dit là, ouais, pas oublier, le motif là, c'est Jésus qui fête 24 décembre. Jésus qui fête 24 décembre. Ou a dit, eh bien, pas de problème. Néhémie, fais le gens ouais pour faire là. Néhémie, attendez bien. Néhémie allait avec Zorobabel comme le gouverneur. Zorobabel. Néhémie prend Avel et Agé avec Zacharie comme prophète. Néhémie prend Avel et le souverain sacrificateur Josué. Et puis Néhémie lui-même est en tête de commission ça. Monsieur retourné à Jérusalem pour travailler. Attendez bien, oui. Lorsque monsieur retourné à Jérusalem pour la reconstruction du temple, pour la reconstruction des murailles, il prend Esdras avec lui et il prend monsieur Sayo, bam cité pour noter bien. Tu as Néhémie, tu as Esdras, tu as Zacharie, tu as Zorobabel, et puis tu as Josué, le souverain sacrificateur. OK, monsieur ça a retourné à Jérusalem. Et lorsque monsieur a retourné à Jérusalem, travail là, n'y a pas de travail là. Mais t'es un problème économique. T'es un problème économique qui était grave à l'époque. Parce que possibilité de gagner dans tant longtemps, ce n'est pas la même possibilité. La possibilité n'est pas la même. Et c'est comme ça, travail là, t'es venu camper. Travail là, t'es venu camper. Ça fait travail à devenir campé, c'est parce que possibilité t'est manquée. Et c'est comme ça, attendez bien, toute équipe là, avec tout le monde qui t'a pas assisté, travail reconstruction temple, et travail reconstruction muraille, yo tomber les amoué, yo dit, travail ça pas possible, travail ça pas fait, parce que pas de moyens pour ça. Et c'est comme ça. Travail a été crampé, tout le monde retourne dans l'activité. Il dit travail a pagé. Il n'y a pas moyen économique, moyen financier pour travail ça, ta retourner fait. Et c'est comme ça travail a crasé. Lorsque travail a crasé, l'Éternel lui pral susciter un prophète qui est le prophète âgé. Le prophète âgé pral prophétiser. Et c'est le premier verset. Que bral invitez-nous, s'il vous plaît, bral invitez-nous pour nous considérer avec moi, c'est très important, attendez bien, oui? Pour nous lire avec, attendez bien,
un verset biblique qui est extrêmement important. OK? M'a considéré ça. Nda mais pour nous garder avec et AG c'est très important. Nda mais pour nous garder avec AG. Je crois que je pense que en pile nan nous qui lit verset ça AG le chapitre 2. Je pense que verset que nous habitué lui AG le chapitre 2 et on a regardé ensemble le verset 8. Regardez, m'a prend verset 8 là, après ça m'a prend verset 9 là pour nous. Suivez-moi s'il vous plaît avec un pile attention. Et m'a aimé ça m'a dit là l'irrité comme un archive pour mon suspendi Jésus-Christ pas fait 24 décembre. Suivez bien. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, OK, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Par exemple, tout à l'heure, dans tout bon contexte, ça me passe autour et contexte. Autour et contexte, et verset ça, le verset 8, Agé le chapitre 2, le verset 8, contexte là, c'est parce que lorsque monsieur est retourné, pour y aller mettre main dans le travail, reconstruction temple avec Nuria là, pas de moyens économiques. Et bon Dieu suscité Agé, parce que tout le monde quitté le travail là, tout le monde abandonné, il y a plein, il dit pas de moyens, pas de comme. OK, pas de moyens, pas de comme. Et c'est comme ça, bon Dieu, il a suscité le prophète Agé prophétisé en ces mots pour le dire, Agé 2, le verset 8, pour qu'il regarde, il dit l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Vous bien, ça c'est Agé qui a parlé, pas oublier de ça, contexte là, c'est parce que mon yo pensait pas ta bien suffisamment comme. Pas suffisamment comme pour le temple reconstruit. Et dans le verset 9, Agé pral dit un bagage qui est très fort. À souligner, s'il vous plaît. Il pral dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je relis, regardez pour vous, Agé, le chapitre 2, le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et puis il dit, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Pour qui ça l'Éternel dit dans le verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Pour qui ça le dit ça, c'est parce que tout le monde met dans l'esprit, ils sont timazis pour le construire. Ça pas bien pièce de valeur, sont timazis qui pour le construire parce que pas de comme, pas de moyen. Pas de comme, pas de moyen. C'est ça que fait l'Éternel dit dans le verset 8. Il dit l'argent est à moi. Et puis il dit et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Le verset 8. Et le verset 9, il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et puis il dit, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Mon bagaille m'a aidé Noé. Mon bagaille m'a aidé Noé. Par exemple, il dit, la gloire de cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Bon, l'Éternel ici a parlé de la gloire par la bouche et d'oser, l'Éternel ici a parlé de la gloire. M'a posé une question, et une question qui est extrêmement importante. Longtemps, lorsque y a construit le temple, y a mettait de belles choses dans le temple, et les fils bleus, et les fils de cramoisi, et y a mettait les cuvettes, et bel habillement pour les sacrificateurs, bel habillement pour sauver un sacrificateur, comment par vie extérieure la habiller, à souligner, oui, suive-moi bien, comment par vie extérieure habiller, comment lieu saint l'ivailler, etc. Et comment lieu très saint vailler. Ici, tenez bien,
Et si t'en dis bien, tout ça, yo, c'est des attentions que l'Éternel a bâillé. La bâillé, lui dit Moïse, mais comment ça va y est, mais comment ça va y est. Mais il y avait une chose, qu'on doit souligner, qui s'allie, c'est la gloire. C'est la gloire. Une chose qu'on doit souligner. Par exemple, pour qu'à mieux comprendre, concept gloire là, et bambdosa, pour qu'à mieux comprendre concept gloire là, par exemple, dans une belle église, et bel temple, ok, bel podium, ok, podium qui respectait les standards internationaux, bel bagaille, vous comprenez ça, me dit, belle église, bel bagaille, etc. Enfin, belle chorale, etc. Enfin, tout va respecter caméra, drone. Ça, yo, attendez bien, yo représente, c'est vrai, de belles choses pour qui attirer yon moun l'église là. Mais il y a une chose d'une extrême importance qu'on doit souligner, c'est la gloire. Alors, c'est ça, Agé Abdi là ici. Agé parlé de la gloire. Écoutez bien, Agé parlé ici de la gloire, il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Bon, qu'on y a, bon, posez-nous une question. Qui sa gloire là? Qui sa gloire ici, en Agé le chapitre 2, le verset 9, parler de gloire, c'est quoi? Parler de la gloire, c'est quoi? Ma vienne sur les rapides, bon, m'explique comme ça. Attendez bien. Et lorsque l'Éternel lui mandait Moïse pour Moïse prend l'argent, prend l'or dans mes peuples pour construire un tabernacle, attendez bien, l'Éternel, attendez bien, lui pral gain le soin pour dire Moïse, non seulement construire un tabernacle, mais Wap construit également un sanctuaire. C'est très important. Wap fait un sanctuaire. Tenez bien. Et Bible a dit, Moïse gagne le soin pour faire tout bagaille selon la pensée de Dieu, selon le désir. Ok? Le désir de Dieu. Lorsque Moïse fait tout bagaille, selon d'abord bam don bagay qui est très important, l'Éternel rive non degré dit Moïse, tenez bien, wa fait tabernacle là et tout modèle que je vais te montrer. Selon le modèle que je vais te montrer, je crois que c'est en Exode chapitre 25 le verset 9, selon le modèle que va montrer wa fait tout bagay ça. Et ceci, Moïse fin fait toute bagaille ça au bien, très très bien, ok, très très bien, très non, yeah. Très très bien, Moïse fin fait yo. Et puis Bible a dit nous, en Exode le chapitre 40, on va lire ça, en Exode le chapitre 40, Bible a dit nous que la gloire de l'Éternel il était rempli tabernacle là. La gloire de l'Éternel les remplit tabernacle là. C'est extraordinaire pour monter ça. La gloire de l'Éternel les remplit tabernacle là. Bible a dit la gloire de l'Éternel est tellement rempli tabernacle là au point que, attendez bien, au point que sacrificateur yo était dans l'impossibilité. Le sacrificateur était dans l'impossibilité puis était qu'à rentrer dans le temple, parce que la gloire de l'Éternel était remplie le temple. On y a, m'a retourné dans Agé, le chapitre 2, le verset 9, lorsque l'Éternel dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Bon, je réponds à une question rapide. Ça caractérise la gloire, l'Éternel t'a parlé ici dans Agé, le chapitre 2, le verset 9. Ça te caractérise la gloire là, c'était l'arche de l'Alliance. Tenez bien. Ça qui te caractérisait gloire là, c'était l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'est ce qui te caractérisait gloire là. C'est-à-dire une maison, un temple dans l'Ancien Testament,
belle que le TK belle, splendide que le TK splendide, sans l'âge de l'alliance, pas qu'à gagner la gloire. Depuis pas gagner l'âge de l'alliance, pas qu'à gagner la gloire. Eh bien, lorsque l'Éternel dit par la bouche d'Agé, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, il t'a parlé de l'âge de l'alliance. Eh bien, qu'on a balle pour saisir. Tant bien, oui, ça me dit là. C'est là que je commence à montrer l'évidence que je l'ai montré là. Temple dont il était question, c'est-à-dire temple que Agé, Zacharie, Zorobabel, Josué, le souverain, sacrificateur, ok, Néhémie, Esdras, mais ça a retourné, puis on a reconstruit à temple ça, pas ta bien, l'âge de l'alliance. Ou comment dire, pour raison? Temple ça, pas bien, l'âge de l'alliance. Les fins construit, pas bien, l'âge de l'alliance. Pour qui raison? C'est parce que depuis non, lorsque Nebuchadnezzar est rentré à Jérusalem, Jean M. Tepalo dans l'introduction, il prend classe bourgeoise là, il prend classe moyenne Israël là, il prend masse là, là il avait en captivité, et puis Bible a dit, il prend tout ustensile, il prend tout bagaille, tout ça pour servir, ok, pour faire ablution, pour faire sacrifice dans le temple. Il prend l'âge de l'alliance, il prend l'âge de l'alliance la veille. Et ceci, jusqu'à présent, par exemple, il y a des gens qui connaissent qui ça l'âge de l'alliance l'a devenu. Il y a des gens qui connaissent qui ça l'âge de l'alliance l'a devenu. Eh bien, qu'on y est. Attendez bien. Deuxième temple, que le temple de Zorobabel, il construit sans l'âge. Deuxième maison, ça, les construit sans l'âge de l'alliance. Autrement dit, les construit sans sanctuaire. Eh bien, rappelons-nous, peut-être ça me dédouane que lorsque la gloire de Dieu était tombée dans le tabernacle en Exode de chapitre 25, Exode de chapitre 40, c'est dans l'âge là, c'est dans l'âge de l'alliance, gloire tombée. Mais c'est pour nous compte, ça fait une clé sur ça. C'est dans l'âge de l'alliance, gloire tombée. Au point que, attendez bien, lorsque yon moun l'a offri sacrifice annuel li, et c'est le souverain sacrificateur qui a offri sacrifice annuel là, d'accord, qui a offri sacrifice annuel ça, pour yon konnen si a sacrifice là agréé, pour du feu sorti dans le ciel là pour le tomber, c'est sous l'âge de l'alliance dans le tomber. Et c'est le ça yon konnen sacrifice là li agréé. Et bien, tendez bien, ça m'a dit là, ici, second temple ça qui c'est le temple de Zorobabel, il pas l'âge de l'alliance parce que Nebuchadnezzar te volé l'âge là. Eh bien qu'on y a nous commence à entrer dans l'évidence. Si le prophète Agé le prophétise, il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, on commence à un problème. Me ramener les pour me sortir loin avant pour me arriver avant là. On commence à un problème. C'est qui problème lié? De qui gloire ici? De qui, premièrement, de qui temple que Agé a parlé et de qui gloire également l'a parlé? Voilà, c'est très important. De qui temple l'a parlé et de qui gloire l'a parlé ici? Et bien, à souligner, pour moi, Agé pas t'a parlé de temple physique. Tandis bien, Agé pas t'a parlé au sujet ou bien concernant un temple physique. Agé t'a parlé concernant un temple spirituel. Ouais. Agé t'a parlé au sujet d'un temple spirituel. Mbadame pour bouiller. Juste en vous regardez Agé, le chapitre 2, le verset 9, côté que l'Éternel parlait, ok, au moyen de la bouche d'Agé, pour le dire, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Non, mais, live la pape longue, nous t'expliquons, depuis c'est notre temple, notre tabernacle, il a parlé de gloire, c'est l'âge de l'alliance. On a montré ça, que
lorsque ne pas mettre fait histoire, mettre à le fouiller, même pas mal dans question pas qu'être causé avant à le fouiller pour connaître est-ce que Top Zorobabel là il tenait l'arche de l'alliance. Non, il pas gagné l'arche de l'alliance. Eh bien, s'il pas gagné l'arche de l'alliance en créole qui est les boîtes contrat, eh bien de qui gloire ici l'Éternel a parlé dans Agé 2 verset 9. Cette gloire, attendez bien, cette gloire, l'Éternel dit, la plus grande que celle de la première. Bon, bah ça, t'es tellement bah problème. Au point que mon a tombé dit, Agé, bah menti, parce que Jean premier temple, ça a été extraordinaire. Un temple est bâti par Salomon. Qui est ce monde qui était Calvin, paraît tête ou pour dans cette situation, dans une grosse situation économique, ça, pas rien qu'on a même amené Agé à venir la gloire. De cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Moun yo pa kwè, yo pran, yo te prêt à agir comme un faux prophète. Et pourtant, agir pas t'a parlé d'une maison physique, agir t'a parlé d'une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Bon. Agir t'a parlé au sujet de temps spirituel et non de temps physique. Par temps physique là, pas de camper son d'elle, pas de gain la vie l'alliance. Attendez bien. Qu'on y a, bon vous non le texte. En nous font y garder avec Jean, on va aller, en nous font y garder. On a fait Bible là, je vous dis, on a font y Bible. Date nous pas ensemble. On a font y Bible parce que bon, malheureusement c'est très malheureux et gagné un monsieur qui tombé parler et lorsque me publié ça dit bon. Li pa ta men pou le déçu. Bon, là, la m ta men pou di m sou déçu, mon frère. Et tout, m'a conseillé ou pas courir parler sou au sujet de monde qu'on pas connaît. Au sujet de tout ça ou pas connaît, gardez pour avec. Gardez pour. Jean le chapitre 2. Jean le chapitre 2. Non, est-ce que c'est Jean le chapitre 2? Et Jean le chapitre ben oui, Jean le chapitre 2, nous allons regarder avec. Et map du texte là, suivez bien. C'est Jean le chapitre 2. Mbal dou sa Bible a dit. Regardez bien, oui. Jean le chapitre 2. Yon verset si connu, est-ce que verset a de ka bat moi là, ok. Foué, ok. Regardez avec, ok. Mm-hmm. Jean le chapitre 2. N'apprends pour vous le verset 19. Jean le chapitre 2, le verset 19. Gardez pour vous. Jean le chapitre 2, le verset 19. Gardez pour vous. Suivez bien. Dame tout le monde joigne. Tout le monde joigne Jean le chapitre 2, le verset 19. Ok? M'appelez pour vous. Contexte là, le contexte de ce texte, c'est du fait que Jésus-Christ était rentré dans le temple. Et lorsque Jésus-Christ il est rentré dans le temple, il joint mon yav vendre, ça cap vendre orange, ça cap changer l'argent, ça cap vendre zuri, ça cap vendre poids. Enfin, temple, Jésus-Christ dit temple vient devenir une caverne de voleurs. Et puis Bible a dit Jésus-Christ prend un fouet et puis il commence à caler mon dans temple sérieusement. Lorsque il fait caler mon dans temple, le verset 19 mais ça Jésus-Christ va dire. Jésus lui répondit: détruisez ce temple. Tout le monde suivez-vous, même s'il vous plaît. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Ma pour lire pour moi encore. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Ok? Gardez le verset 20. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Ça, je dis là, c'est 46 ans, vous faites pour te bâtir le temple, et puis, mais vous venez dire en 3 jours, vous faites le temple. Gardez pour moi le verset 21, et puis soulignez verset ça. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire, le temple que Jésus-Christ que Agé t'a parlé à temple ça, li pat yon temple physique, li te yon temple spirituel. Li te yon temple spirituel. N'ap gade yon l'autre verset biblique, s'il vous plaît, n'ap gade yon l'autre verset biblique.
n'a pas retourné dans Agé. Je crois que c'est clair. Le verset 19, Jésus dit, détruisez ce temple et je le relèverai en trois jours. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi tu dis, je le relèverai en trois jours. Bible a dit dans le verset 21, il parlait du temple de son corps. C'est à Jésus-Christ son temple. C'est-à-dire, Jésus-Christ son temple. Regardez-vous, dans Agé, Agé, n'a pas retourné dans Agé. Junior, Junior, je ne vais pas aller. Je exactement dire ça, je besoin de dire. Faut projeter pour moi. Alright, parcours, parle. Regardez bien. Agé, n'a pas le chapitre 2. N'a pas le chapitre 2 pour vous. Gardez pour vous, n'a pas le chapitre 2 et puis n'a pas gardé le verset 19. Agé, le verset 18. Agé, le chapitre 2, le verset 18. Le verset le plus important. Le verset le plus important dans l'enseignement, s'il vous plaît. Verset qui est plus important dans l'enseignement, ma baoula. Gardez pour vous. Le verset 18. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Gardez-vous, jusqu'à ce jour. Virgule, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Le prophète Agé mandé ça. Le prophète Agé mandé le verset 19. Il dit, considérez attentivement ce qui s'est passé, ok, jusqu'à ce jour. Libral dit qui jour? Jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Il dit, considérez-le attentivement. Considérez-le attentivement. Rappelons, nous démontrons tout à l'heure. Temple, attendez bien, nous démontrons ça tout à l'heure. Que temple, il n'y a pas de temple physique. Temple où est âgé, lorsque il te dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, il n'y a pas de temple physique. Très important, c'était un temple spirituel. Voilà, c'était un temple spirituel. Nous démontrons, selon Jean, ok, selon Jean, le chapitre 2, verset 19 jusqu'à 21, côté que Christ. Lorsque Christ est fini, dit ça, Christ est dit comme ça que détruisez ce temple et je le relèverai en trois jours. Disciple dit, qui ça, M. Abdi là? Il prend 46 ans pour bâtir le temple ça. Et puis monsieur dit, temple ça, et si vous détruisez, la bâtir en trois jours. La bâtir en trois jours. La Bible a précisé que Jésus-Christ a parlé du temple de son corps. C'est-à-dire, il n'y a pas sorti de là, Jésus-Christ est le temple de Dieu. Jésus-Christ est le temple de l'Éternel, c'est clair. Il parlait du temple de son corps. Le verset 21, Jean le chapitre 2, le verset 21, très important. Eh bien, qu'on y attendait bien. Lorsqu'il dit, considérez attentivement le verset 18, ce qui s'est passé, Agé 2, ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, temple ça, il n'est pas un temple physique. Ça, c'est Jésus-Christ ici. C'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ. Il ne s'agit pas ici d'un temple physique. Il s'agit ici d'un temple spirituel. Au besoin de preuve là, au besoin de preuve là, bon, moto, malheur. Si nous demandons pour aller dans Esdras, le chapitre 6, le verset 15, m'a pas le texte à vous, notez-le ou valide. Esdras, le chapitre 6, le verset 15, temple physique n'a pas de fin. Pas construit 24e jour du 9e mois. Temple physique là, il était construit le 3e jour du mois d'Adar. Temple physique là. Là, son temple spirituel, il est là devant, qui est Jésus-Christ, qui fondait le 24e jour du 9e mois. Bon, quelqu'un qui a dit, mon frère, ok, pas de problème, mais c'est 24e jour du 9e mois. Il dit, 24e jour, c'est 24. Non, moi, qui moi? 9e mois. Voilà. C'est 24e jour du 9e mois. Bon, voilà. Quand on a dit, bon, m'baoué, ça a fait qu'à approuver. Eh bien, bon, mouton, tableau, ça va le là. Ou pas le jouer dans le tableau là. Et puis,
m'a bon précision sur tableau. M'a bon précision sur tableau ou mettre commencer garder. Non, exactement non. Non. Esdras le chapitre 2 le verset 18 m'a pour lire pour encore. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Ndou temple ça m'a devant là à Agé le chapitre 2 le verset 18. Temple ça, li pas un temple physique, li son temple spirituel, li correspond à Jean 2 verset 21. OK? Li correspond à Jean 2 verset 21. Jésus qui est le temple de Dieu. Et bien qu'on y a mes précisions m'a le montrer. S'il dit ici, attendez bien. S'il dit ici là, il dit jusqu'au 24e jour du 9e mois, le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Attendez bien. Ça me gagne devant là qui ont un petit problème, c'est parce que il dit 24e jour. S'il dit du 12e mois, t'as dit oh, frère a raison. Nous pas ça t'a dit ça. S'il dit 24e jour du 12e mois, t'as dit oui, frère a raison. C'est 9e mois, ouais. Et même ça pas comprendre là. Selon tableau, calendrier juif là pas même avec calendrier romain. Il n'est pas même avec calendrier romain, calendrier juif là. Il n'est pas même non. Si vous n'avez pas ça dans la tête, vous n'avez pas comprendre que Jésus qui fête 24 décembre. Il n'est pas même. Calendrier, attendez bien. Calendrier juif là, premier mois, c'est le mois de Nisan. Deuxième mois, c'est le mois de Siv. Troisième mois, c'est le mois de Sivan. Quatrième mois, c'est le mois de Tammuz. Cinquième mois, c'est le mois de Ab. Sixième mois, c'est le mois Elul. Septième mois, c'est le mois Tisri. Huitième mois, c'est Boul. Ok? Ok? Et puis, pour nous arriver, dans Kisle, qui est le neuvième mois juif là. Eh bien, mais comment ça va là? Comment je pense au tableau? Je vais faire le bout. Premier mois juif là, qui est Nisan, attendez bien, il correspond à mois d'avril. Premier mois juif là qui c'est le mois Nisan, Nisan li correspond à mois d'avril. Deuxième mois qui c'est mois Siv, li correspond à mois de mai parce que yo pas même. OK? Yo pas même. C'est-à-dire attendez bien oui, lorsqu'on a premier mois juif ou dans troisième mois dans calendrier romain. Faut comprendre ça bien, faut comprendre ça. Là dans premier mois juif ou dans troisième mois calendrier romain. Regardez bien mon ça. Premier mois, c'est mois Nisan, ok, qui correspond à mois d'avril. Deuxième mois qui c'est Siv, qui correspond à mai. Troisième mois qui c'est Sivan, qui correspond à juin. Quatrième mois qui c'est Tammuz, qui correspond à juillet. Cinquième mois qui c'est Ab, qui correspond à août. Ok, sixième mois qui c'est Elul, li correspond à septembre. Septième mois qui c'est Tisri, li correspond à octobre. Huitième mois qui c'est Boul, li correspond à novembre. Neuvième mois qui c'est Kisle, li correspond à décembre. Ça, c'est pas moins que Vinavel. De ça, moun yo pa comprendre. C'est pas moins que Vinak, ça, ou m'dia, pas moins inventer. Ok? Allez sur Google ou bien allez sur quelque dictionnaire biblique l'abdou ça l'ab témoigner ça l'abdou non l'abdou frère kababa menti son vérité c'est pas moi créer ça c'est-à-dire si on y a sin à remplacer les lettres par valeur yo s'il dit considérer attentivement retourner dans Agé le chapitre 2 le verset 18 s'il dit considérer attentivement pas oublier tout temple là retirer ça dans tête tout temple là c'est pas un temple physique c'était son temple spirituel à savoir Jésus qu'on y a s'il dit considérer attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. 9e mois ici, c'est qui s'allie, c'est le mois qui se lève ou bien qui se lève, qui c'est mois juif. Li correspond à qui mois dans calendrier panouan. Ma pour li tête ça pour bon mois venir parce que me dedou correspond à mois de décembre. Et mais si me dali le bien pour, m'a dou considérer attentivement ce qui s'est passé. Jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 12e mois. Ma kwen gen moun ki ka bam kou la non si me dit du 12e mois puis godi a fait ka vite avec a fait pas mais non de 9e mois correspond à 12e mois pour nous OK
jusqu'au 24e jour du 12e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel, à savoir Jésus, a été fondé. C'est-à-dire, a été construit. Jésus-Christ prend naissance comme le temple de Dieu. Vérité, on m'a dit, bon, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, pour moi, Jésus-Christ fait 24 décembre. Jésus-Christ fait 24e jour du 9e mois juif, qui correspond à 12e mois de décembre. Jésus-Christ fait 24 décembre. Regardez, je n'ai pas trop besoin pour mon bras dire, ok, frère Kaya, histoire dit, en hiver, et ceci, cela, t'es gagné, et il t'es fait fret, que, yo t'es dit comme ça, que berger, yo t'es venu, etc. En hiver, pas capable. Non, même pas dans sa histoire dit, n'a exactement sa Bible a dit, là, ici. N'a exactement sa Bible a dit, ici. Ok? Comme on va regarder là, dans le tableau, on va prendre ça. Regardez encore dans le tableau à pouet. Regardez le bien, oui, et puis prenez notre là. On met prendre ça, prends son prendre. Ma pouet prend pour Nisan, c'est avril. Ziv, c'est mai. Sivan, c'est juin. Tamuz, c'est juillet. Ok, quatrième mois. Well, pour nous arriver dans Kislev, qui c'est 12e mois, Kislev, qui c'est 9e mois juif, qui correspond à 12e mois dans le calendrier panouan, qui c'est mois de décembre. Pas gagné. À sortir de là, c'est vérité, c'est pure vérité que la Bible a enseigné. Jésus-Christ fait 24 décembre. Ou a besoin de mettre dans tête deux bagailles. Ou a dit un pile bagaille. Ou a besoin de mettre dans tête deux bagailles. Parler de. Bon, dit trois bagailles. Bon, dit trois bagailles. Parler de temps en AG, le chapitre 2. AG, le chapitre 2, verset 18-19. Lorsqu'elle dit considérer attentivement ce qui s'est passé, ok, jusqu'au jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois où le temple, le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, pas maintenant tête où c'est ton temple physique, c'est ton temple spirituel. Mettre ça dans tête où. Il s'agissait de temple spirituel, à savoir Jésus-Christ. Deuxième bail pour mettre dans tête où. Est-ce que le Nouveau Testament confirme samedi? Oui, le Nouveau Testament le confirme. Le Nouveau Testament lui confirme parce que Jésus-Christ dit dans Jean, le chapitre 2, le verset 19, il dit « Détruisez ce temple et je le relèverai en trois jours. » Nous disons ça, ça me dit là. Nous prenons 46 ans pour nous construire le temple. Même je dis la fin crase pour le refaire en trois jours. La Bible a dit il parlait du temple de son corps. Même nous, même Captain Demna, nous c'est temps bon Dieu, nous c'est temps Saint-Esprit. Ma quoi ça quand on bagaille qui est difficile pour vous, etc. Ok? À ce niveau, au besoin, le Nouveau Testament confirme ça, que le temple dont il s'agissait, c'était un temple spirituel. On a d'autres preuves. Troisième bagaille qu'on est. Mais qui le temple? Temple, monsieur, te retourné, puis te vin bâti, âgé, Zacharie, et Josué le souverain sacrificateur, Zorobabel, Esdras, Néhémie, M. Salté retourne pour devenir construit. Qui l'a construit? Qui l'est ça? Esdras, le chapitre 6, le verset 15, il était fini, il était fondé le troisième jour du mois d'Adar. C'est bon, bon Dieu, fort grâce, c'est bon, bon Dieu, béni. On a tourné, on attend des petites musiques, pause là, on a tourné pour nous venir parler d'un petit bagage pour nous aller. Merci, bon Dieu, béni.
Ok, nous retournons pour nous faire une annonce. Nous retournons pour nous faire une annonce au sujet du livre, nouveau livre que l'apôtre Kaya France a sorti, les arrêts de l'enfance à l'âge mûr. Les de l'enfance à l'âge mûr, les de l'enfance à l'âge mûr. Et nous avons annoncé au livre ça. Nous avons 20 signatures au livre ça. Nous avons 20 signatures au livre ça. Ya, nous tournons, je nous dis là, pour nous capables de porter information ça pour de l'enfance à l'âge mûr. Mais livre là, et c'est un livre et cap sorti demain si Dieu veut. Votre signature c'est à Ministère sans frontières, l'important. Nous te dis ça et plus de 80% des formations en sous de bas là les dans le livre ça. L'important et on va faire le déplacement. Vous pouvez acheter l'ISA au prix de 1000 goudes. Au prix de 1000 goudes, vous avez bien l'ISA à 5 heures. Dès 5 heures, on a commencé. C'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu fort grâce, c'est pour bon Dieu toucher. Bénédiction pour tout le monde. Merci.
adorer vous, Jésus.